Mes chers amis, bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui du château de Chambord. On va voir comment le plan de ce château comporte un message inséré, codifié dans le plan, dans les anomalies du plan. Vous allez voir que tout ceci est très précis. On peut en dire énormément de choses. C'est quelque chose pour les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'art, c'est totalement novateur. On en sera aussi loin que possible. Voilà, c'est ça que je pouvais dire au début. Alors, on va regarder ce château. Eh bien, le voilà. Donc, le château de Chambord, hein, c'est le plus grand des châteaux de la Loire. Il a été construit surtout dans la première moitié du XVIe siècle par le roi François Ier. Bon, je vous ramène aussi à d'autres vidéos que j'ai faites sur Chambord, hein. Je les mettrai d'ailleurs à la fin de cette vidéo. Vous pourrez cliquer dessus. Mais cet épisode-là peut se voir de façon autonome. Très belle photo, enfin, et montage également. Voilà. Voici maintenant une vue de l'arrière du château. Donc on peut déjà voir qu'il y a, ça fait une. Vous voyez, au centre, vous avez le donjon. Et de chaque côté, des ailes. Et on va le voir encore mieux, en fait. Sur le plan en lui-même dans quelques instants. Mais auparavant, je voulais vous parler très brièvement du principe de symétrie axiale. Vous voyez, il existe deux types de symétrie. Tout simplement la symétrie axiale ou la symétrie centrale. La symétrie axiale, c'est lorsque la partie gauche et la partie droite se correspondent par rapport à un axe. C'est-à-dire si je mets un miroir, il y a le reflet de l'autre côté de la même chose. C'est-à-dire que si je replie la feuille en deux sur le trait, les deux parties coïncident. Voilà, le corps humain, par exemple, répond à la symétrie axiale. Et donc la deuxième forme de symétrie, eh bien, c'est la symétrie centrale. Et ici, les deux équerres, par exemple, se correspondent par rapport à un centre de symétrie. Vous voyez, comme tout est en harmonie, la partie gauche et la partie droite sont les mêmes. Quand je joins deux points identiques de l'objet, je passe à chaque fois par le centre de symétrie. Voilà, d'accord? Ce sont les deux types de symétrie. Et maintenant, on regarde Chambord, le plan. On peut voir globalement qu'il répond à la symétrie axiale, puisque voilà, si je pliais le plan sur le milieu du donjon, le donjon est au centre, vous avez les ailes et la courtine, et bien si je replie, ça correspond, grosso modo, quoi, hein, voilà. Mais on va observer ça de plus près, le donjon particulièrement. Parce que ce donjon, il est apparemment bâti d'une façon harmonieuse et symétrique. C'est-à-dire que, on peut voir, il y a quatre quartiers, hein, qu'on appelait à l'époque des cantons, qui sont aux quatre coins du grand carré. C'est cantonné d'une tour à chaque fois. On pourrait se dire, grosso modo, bon, c'est harmonieux, c'est OK. Avec des salles cruciformes qui dessinent une croix autour du grand escalier central. Mais quand on y regarde attentivement, on se rend compte qu'il y a un petit problème, puisque vous voyez les grandes salles. Bon, vous en avez trois qui sont verticales, mais celle qui est en bas à gauche, enfin, c'est le canton sud, là, la grande salle est horizontale. Ah, donc là, il y a un problème. Parce que, y a un défaut de symétrie, il y a une asymétrie. Et on pourrait se demander pourquoi, pourquoi c'est là. Alors, disons pour les spécialistes officiels de l'histoire de l'art ou de l'architecture, les bâtisseurs de Chambord ont changé de plan en cours de route. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à bâtir un plan parfaitement symétrique. Et puis, en cours de route, ils se sont dit, ah mince, il y a un problème.
on arrivera que difficilement à circuler dans le château. Donc on va retourner un quartier. On va altérer la perfection logique, mathématique. Mais peu importe, on préfère qu'on puisse circuler dans ce château au mieux possible. Alors, c'est quand même, enfin, c'est une hypothèse contestable. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est-à-dire ici, vous voyez, si vous voyez le plan, bon, si vous voulez pas passer à l'étage de l'aile, disons en haut à gauche, pour simplifier, bon, vous traversez le donjon pour arriver sur l'autre aile en haut à droite. Si on n'avait pas retourné un quartier, on pouvait le faire di difficilement. Bon, enfin bref, donc. Pour les historiens qui se sont intéressés à Chambord, bon, il y a eu une modification de plan en cours de route. Hein, c'est ce qu'on nous dit aussi concernant le plan de la Grande Pyramide. On nous dit il y a deux chambres, la chambre de la reine et la chambre du roi, parce que les bâtisseurs en cours de route ont modifié le plan. Ils sont passés d'une chambre à l'autre en préférant finalement une chambre un peu plus haute, etc. Je ne partage pas ces hypothèses-là, parce qu'il me semble que les bâtisseurs de Chambord tenaient absolument à la perfection logique et mathématique de leur plan. À mon avis, ils n'allaient pas casser un plan pas parfait, une symétrie parfaite, un hommage à Léonard de Vinci, un hommage à l'époque de la Renaissance, et de son goût pour les mathématiques, pour les sciences qui se développaient alors. Pourquoi aurait-il cassé ce plan juste pour qu'on circule mieux dans le château, alors qu'au tout début de la construction, il savait très bien qu'il faudrait circuler dans le château. Bon, bref. Donc, vous allez voir, pour ma part, je pense que le plan de Chambord a quelque chose à nous dire. Il est comme il est par rapport à un message qu'il nous faut retrouver, qu'il nous faut décrypter. Voilà. Et donc, vous voyez, si on regarde comment sont les quartiers de chaque angle, hein, donc correspondant grosso modo aux points cardinaux, on remarque que les quartiers ouest, sud et est sont en fait la même pièce de puzzle. D'accord? Quand vous décrochez, c'est pareil. Mais le canton nord, lui, a été retourné. C'est le même, mais à l'envers. D'accord? Alors, bon, pourquoi a-t-on retourné un quartier, nom d'un chien, dans ce château? Alors, je vous propose ici une petite manipulation extrêmement simple. Vous voyez, je prends le donjon tel qu'il est. Et donc, comme je vous disais, bon, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je prends le canton nord. Alors, le château, maintenant, est remis dans son axe normal. Par rapport aux points cardinaux. Je décolle ce canton nord, je le fais pivoter de 90 degrés sur lui-même. De 180 degrés. Et une fois qu'il a pivoté, je le raccroche au donjon. Et donc la dernière image nous montre le résultat. Et là, je peux constater que, il y a une symétrie centrale qui est revenue. D'accord? Vous pouvez voir que les salles sont harmonieuses par rapport au centre, de chaque côté du centre. Ça colle, ça coïncide. Là, il y a une esthétique, une harmonie. Voilà. Donc, on restaure en théorie la perfection du donjon en faisant pivoter ce quartier nord. Et maintenant, on peut faire une deuxième manipulation. C'est-à-dire que, vous prenez le donjon, vous décrochez le quartier sud. Cette fois-ci, vous lui faites faire un pivotement de 180 degrés et on le raccorde. Maintenant, on peut constater que dans la dernière image, il y a non seulement il y a une symétrie axiale, mais il y a une double symétrie. Il y en a deux. D'accord? Vous pouvez plier le plan de deux façons différentes.
Et à ce moment-là, tout coïncide. D'accord? Ça veut dire que quand vous... Alors, attendez. Voilà. Quand vous faites pivoter le quartier nord, vous restaurez la perfection du château. Quand vous faites pivoter le quartier sud, vous la restaurez également, d'une façon différente. À chaque fois, il y a une logique, il y a des symétries qui sont là. Ok. Donc, la question sur eux, c'est pourquoi les bâtisseurs n'ont pas bâti directement le plan parfait? Pourquoi ils l'ont altéré? Ben, justement, pour qu'on y réfléchisse, c'est comme une énigme qui est posée, c'est comme un message secret qui est posé. Et voilà, nous apercevons donc que... Les pivotements des quartiers nord ou sud, d'accord, se font sur le même axe, une diagonale du donjon. Voilà, à ce stade-là, on en est là, tout simplement. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire? Pourquoi ils auraient bâti un quartier à l'envers, d'accord, comme une anomalie qu'ils ont laissé traîner, pour que nous arrivions à comprendre quel est le sens de ce château? Voilà. Alors, on peut voir aussi que bon, le donjon de Chambord est un carré, hein, avec les quatre tours aux angles. Donc, il y a quatre façades. Vous pouvez voir comme ça d'un coup d'œil que les façades ne sont pas les mêmes. D'accord? Elles ne sont pas les mêmes, elles sont disparates. Eh bien, tout simplement, c'est parce que... En fait, les bâtisseurs ont appliqué à fond le principe de symétrie, quoi. C'est-à-dire que autant il y a un quartier ou un autre qui est retourné, autant la façade est retournée également. Ils ont appliqué ce principe à fond. Voilà. Et on se rend compte que quand on retourne le quartier sud, en fait, on restaure aussi les deux symétries axiales. D'accord? Vous retournez le quartier sud comme on l'a fait il y a quelques instants, vous avez généré deux symétries axiales et en même temps, ça remet d'équerre toutes les façades, tout l'ensemble des façades qui à ce moment-là présentent une harmonie globale. Hein? Voilà. Ce que j'appelle les façades, c'est-à-dire vous décomposez par exemple les baies ouvertes, les fenêtres, et également enfin, les fenêtres ordinaires, quoi, et les fenêtres tout en longueur, hein, qui sont verticales. Voilà, vous pivotez le quartier sud, et à ce moment-là, l'ensemble des façades redevient symétrique. Voilà, je crois qu'il y a une personne du guide au château de Chambord qui en avait parlé dans un film qui était diffusé sur Arte. Voilà. Justement ici, on reste ici, c'est un dessin de deux personnes qui travaillaient au château de Chambord. L'un est Dominique Hofbauer. Et l'autre, c'est Jean-Sylvain Caillou. Ils avaient étudié les latrines du château. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des fosses qui ont été creusées, bien sûr, en sous-sol, sous les tours. Et enfin, moi, je remarque que pour les trois tours, ouest, sud et est, ces fosses ont la même forme, d'accord? Vous avez disons une grande salle, un petit couloir et une petite salle. Mais au canton nord, le plan des latrines est différent. Voilà. Donc, vous voyez, c'est encore enfin, le canton nord qui est mis en exergue, qui est pointé du doigt, un des deux quartiers qu'on a retourné.
Et je remarque que la salle différente, la fosse, qui recevait les excréments, quoi. Donc, au quartier nord, a une forme différente, plus petite. Et c'est pas moi qui ai fait ce dessin, donc on m'accusera pas d'arranger ce que je veux dire. Parce que quand vous tracez une ligne qui passe exactement au milieu de cette fosse nord, vous êtes sur la fameuse diagonale du donjon, sur laquelle on a retourné tout à l'heure le quartier nord et le canton sud. Ce que je veux dire, c'est que les bâtisseurs, en fait, semblent nous indiquer cet axe diagonal. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on fait pivoter un quartier ou un autre sur cette diagonale, on remet d'équerre la symétrie du donjon. Voilà, et les latrines nous le confirment. Alors, pourquoi cette diagonale serait si importante alors? Voilà, et bien ici, il faut revoir ce dessin, parce que, vous avez le canton sud, le canton nord, la diagonale, et au milieu, entre les deux, vous avez le grand escalier, hein. Le grand escalier à double révolution, deux montées d'escalier. Le plan est probablement influencé par Léonard de Vinci, voire une de mes vidéos. Voilà, j'ai déjà dit énormément de choses sur Chambord. Je possède énormément d'éléments pour argumenter, appuyer ma thèse. Et donc, voilà cet escalier, double escalier, exactement au centre du donjon. Vous allez voir qu'il comporte une caractéristique interpellante. Parce qu'on vient de retourner les cantons nord et sud, bon voilà. Et on se rend compte de quelque chose de vraiment interpellant et surprenant. Voici le grand escalier, d'accord? Et ici, voici le plafond de l'escalier. Voilà, le plafond de l'escalier au-dessus de la terrasse. Et donc on peut voir que bon, il y a des salamandres et des zèphes, comme d'habitude à Chambord. Et en fait, tous les zèphes sont à l'envers. Vous voyez celui-ci que j'essaie de mettre à peu près ici, vous voyez? Il est à l'envers. Celui-là encore est à l'envers. Voilà, sur un axe vertical, il a été pivoté. Et celui-là aussi. Tous les zèphes du plafond de ce grand escalier sont à l'envers. Donc c'est quand même surprenant parce que, d'accord, on a retourné les quartiers nord et sud sur un certain axe. Sur cet axe se trouve le grand escalier et là, tous les zèphes sont à l'envers, sont retournés. Tout est retourné sur le même axe. On se demande si on ne veut pas nous faire comprendre quelque chose. Voilà. Le centre du grand escalier, le voilà. C'est une photo de Julie Couvreur. Et c'est une sorte de colonne, de puits, hein, qui monte vers le ciel. Et voilà une autre photo, très réussie également, de Julie. Il y a quelque chose de futuriste. Donc, ça veut dire que, vous voyez, en fait, le donjon de Chambord, le grand escalier, il est là au milieu. Et cet escalier monte vers le ciel comme un puits. Mais si vous faites pivoter pour remettre les F qui sont en haut, si vous voulez les remettre à l'endroit, vous faites tout pivoter, comme on a fait pivoter les quartiers. Alors les F sont remis à l'endroit. Et la colonne qui montait vers le ciel, cette fois-ci, elle descend en sous-sol. Par d'autres aspects du dossier, on peut s'apercevoir que il est question finalement d'une cache qui pourrait exister en sous-sol. Bon. C'est quelque chose qu'on accostera dans un autre épisode. Ok.
Alors maintenant, on passe à autre chose, hein. On continue notre enquête. On a donc au deuxième étage ces salles, hein, qui forment une croix autour du grand escalier. Ok. Et donc on peut voir au plafond, on a soit une salamandre sur une case, soit sur une case attenante, un F, c'est une sorte de damier. Ce sont des caissons. Et là, on peut se rendre compte qu'il y a. Tiens, c'est marrant parce que là, il y a un F à l'envers. Vous voyez, sur bon, plus de 150 F, vous en avez un et un seul qui est à l'envers. Ah, ça c'est quelque chose de très intéressant. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a une anomalie pareille, elle signifie quelque chose. C'est pas fait au hasard, c'est pas fait au petit bonheur, la chance. C'est fait pour nous indiquer quelque chose. Voilà. Alors pourquoi cet F est-il à l'envers? Ben, je vais vous l'expliquer. C'est-à-dire, d'accord, je le remets ici, clic. Voilà, lorsque on considère le donjon, hein, bon, son axe vertical nord-sud en question, l'F, il est, vous voyez, il est dans la salle, j'espère que vous voyez la souris, il est dans le bout de la salle, ici. Bon, donc dans cette direction-là, hein, F. Si vous le faites pivoter sur l'axe nord-sud, le même axe sur lequel on a retourné les deux cantons, hein, bon, cet F donne la direction du château de Fontainebleau. De Fontainebleau. Donc l'F qui se remet à l'endroit F, initiale du mot Fontainebleau. On peut considérer que les châteaux de Chambord et Fontainebleau, hein, sont les deux principaux palais de François Ier. Voilà. Donc je pense donc que cet F a été mis à l'envers du mauvais côté pour qu'on le fasse pivoter et qu'il indique la direction du château de Fontainebleau à 2 degrés 5, 2,5 degrés, à peu près. Donc la précision n'est pas, à ma connaissance, n'est pas extrême, mais c'est quand même très intéressant parce que ça donne une explication à cette histoire de F à l'envers. Voilà, donc ça, tout ça, en fait, dans cette vidéo, ce sont mes découvertes, hein, c'est des découvertes personnelles. Voilà. Alors pourquoi on aurait voulu nous indiquer de Chambord le château de Fontainebleau? Bien parce qu'on peut se rendre compte sur la carte que lorsque on trace une ligne, une droite qui part du château de Chambord vers le château de Fontainebleau, on aboutit à la basilique Saint-Remi de Reims, hein, qui est un haut lieu de la monarchie française, qui contenait le Saint-Crème, qui servait à oindre les rois de France, qui contenait le tombeau de Saint-Remi. L'évêque qui avait baptisé, hein, qui avait oint le premier roi, Clovis, ça faisait partie de la mythologie monarchique. Voilà, donc bon, ça je développe ça dans d'autres vidéos, hein, cet axe est très important. Chambord, Fontainebleau, Reims, voilà. Vous pouvez vous référer à d'autres vidéos que j'ai faites, je dois avoir une playlist, hein, sur Chambord. Donc si vous voulez, on se dit que. En principe, l'F qui est à l'envers, il a été mis là. Je radote un peu, mais c'est pour que vous compreniez bien, parce que c'est assez subtil quand même. Je veux que vous puissiez suivre. Voilà, donc on fait pivoter l'F sur le même axe sur lequel on a fait pivoter les cantons nord et sud pour restaurer l'harmonie. Et là, on restaure l'harmonie de l'F qui indique à ce moment-là, remis à l'endroit, il indique la direction du château de Fontainebleau, F. Ok. Les deux principaux palais de François Ier, Chambord, Fontainebleau. Ok. Voilà. On peut remarquer au passage quelque chose qui est assez marrant, quoi. Là, vous avez grosso modo le plafond. Excusez-moi quelques instants. Vous avez le plafond où il y a l'F inversé, vous voyez, il est là. En fait, on y accède des bords du plafond en comptant trois cases, quatre cases, ou alors du dernier côté, cinq cases.
3, 4 ou 5 cases. D'accord? Bon. Alors que justement, le plan de Chambord, qui est ici, simplifié, il est inscrit, on va dire, dans un grand rectangle de proportion 3, 4. Donc la diagonale va être 5. Hein, c'est le fameux triangle de Pythagore, 3, 4, 5. Ouais, vous voyez, on retrouve encore 3, 4, 5. Ok. Et voilà, ce triangle 3, 4, 5 est un des plus connus de la géométrie, puisqu'il est associé au théorème de Pythagore, hein, qui dit qu'à ce moment-là, 3 au carré plus 4 au carré, c'est égal à 5 au carré, hein, quel que soit ceci est valable, quelles que soient les dimensions de ce triangle. Mais là, ça fait net et tout, vraiment 3, 4, 5. Voilà, bon, c'est un petit clin d'œil pour montrer en fait que à Chambord, rien n'est le fruit du hasard. Tout est prémédité, tout est signifiant. Ça n'est pas le fruit comme ça d'une manipulation de gens qui ne savaient pas, qui n'ont pas su comment faire, qui ont changé d'avis. C'est très calculé sur le papier. Et s'ils ont changé d'avis, eh bien, c'est pour améliorer le codage de ce monument. Voilà. Alors, on passe maintenant à autre chose. Vous avez encore le donjon de Chambord. Alors, je suis désolé, hein, pour ceux qui n'aiment pas disons, les spéculations mathématiques ou logiques, mais là, il y en a plein. Parce que, voilà, c'est... oui, c'est-à-dire que le château de Chambord a été bâti, bien sûr, par des intellectuels. Vous savez que Léonard de Vinci était un ami de François Ier. Il a très certainement participé au plan de Chambord, mais malheureusement, il est mort trop tôt pour en voir la construction. Bon, c'est l'époque des débuts de la science, comme je le disais. Voilà. Donc, on est. D'accord? C'est-à-dire, dans le contexte de la Renaissance, penser que ce château est codé, bon, ça se défend. Okay? C'est l'époque de l'essor scientifique, les débuts de la science réelle. Bon. Ouais, ça se défend que ce grand château énigmatique comporte un message à décoder. C'est pas idiot. Voilà. Et ici, vous avez le donjon. Ce donjon est en fait basé sur un grand carré de 25 cases. Vous voyez? Chaque canton, quartier est basé sur quatre carreaux. Les salles en croix occupent chacune deux carreaux. Et l'escalier central occupe le carreau central, justement. Donc 25 carreaux, un carré de 5 sur 5. Tiens, tiens, mais ça c'est vachement intéressant là. Parce que ça, quand on visite le château, je vous garantis, on ne s'en rend pas compte. Quand vous êtes en visite à Chambord, vous ne voyez pas ça. Vous tournez dans le château, vous êtes sur les terrasses, dans les salles, vous ne vous apercevez pas, hein, qu'il y a une distribution mathématisée, logique, rationalisée. Vous ne le voyez pas. Il faut voir le plan et y réfléchir. Bon, ça, c'était connu avant moi. voilà. D'accord, vous voyez. C'est connu avant moi, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Ben, par exemple, pourquoi on ne distribuerait pas les lettres de l'alphabet sur cette grille, hein? Donc, on va simplement faire que I et J soient sur la même case, comme ça toutes les lettres tiennent. Parce qu'à l'époque, I et J étaient écrites en fait par le même caractère. Hein. Ça veut dire que dans les prophéties de Nostradamus, vous avez les lettres I et J qui sont le même caractère dans les polices. À l'époque de Louis XIV, encore dans la Galerie des Glaces, on retrouve la même chose. Hein. Etc. Sur une tapisserie de la Renaissance que je connais bien, l'époque de la construction du château de Chambord, I et J sont le même caractère. Voilà. Bon, voilà, ça c'est pour me justifier. Et donc on obtient notre alphabet distribué sur la grille de 25 cases. Et là, une surprise considérable nous attend, quoi.
parce que on s'aperçoit que les lettres de la ville de Reims sont sur la diagonale en question, dont je parle depuis quelques instants. Vous voyez, REIMS, c'est l'orthographe actuelle de la ville de Reims. Ou alors REINS, c'est une orthographe du Moyen Âge. D'accord? C'est-à-dire, je trace cette diagonale nord-sud sur laquelle j'ai retourné mes deux quartiers, qui restauraient la symétrie, et sur cette diagonale se trouve le mot Reims, les lettres du mot Reims écrites. Voilà. Ah d'accord, ça c'est vachement intéressant parce que si vous vous souvenez bien, voyez, si vous vous souvenez bien ici, il y a cette ligne, quoi, Chambord, Château de Fontainebleau, Basilique Saint-Remi de Reims. C'est-à-dire que on se rend compte que à Chambord, bon, on a d'abord, bon allez, je vais me remettre en plein écran. Hein, d'abord, on retourne le quartier nord et sud pour nous indiquer la fameuse diagonale. Et il y a un F inversé, un seul, on le retourne, il indique Fontainebleau. Quand on passe au carré de 25 cases, le mot Reims est écrit sur la diagonale. D'accord? C'est une façon simplement de valider cette ligne, Chambord, Fontainebleau, Reims, qui, bon, dans la suite de l'étude, s'avère très importante. C'est très important, hein. Donc c'est un peu une validation de spéculation cartographique. Alors là, on est bien sûr au-delà complètement de l'histoire de l'art, de l'archéologie, etc. Hein. On est passé à autre chose. On est là, en fait, dans la prochaine étape, hein, de pourquoi les châteaux royaux, les cathédrales aussi, contenaient des anomalies, contenaient... Bon, ils contenaient, en fait, de façon secrète, connue simplement de quelques initiés, ils contenaient des messages codés. Et, voilà. Donc distribué sur la carte à droite à gauche. Ça, c'est la prochaine étape. D'accord? C'est un jour, ce que je vous dis sera très connu. Hein. Voilà, ce sera la révolution, on sera passé à autre chose, tout le monde admettra, les gens diplômés reconnaîtront qu'effectivement, à Chambord, il y avait des validations d'une certaine cartographie, d'un alignement qui est très important et il faut développer. Après, on développe, on développe, on développe, quoi. Voilà. Alors maintenant, on s'intéresse à autre chose, on continue. C'est-à-dire, on reste toujours centré quand même sur Chambord et on va s'intéresser à la cathédrale de Beauvais. Vous voyez, beaucoup plus au nord. Ok, qu'est-ce qu'on va trouver à Beauvais? Ben, quelque chose de super intéressant en relation avec ce qu'on peut voir à Chambord. Vous allez voir, ça continue à être un petit peu comme ça, hallucinant, quoi. Et donc, je continue à vous montrer le diaporama. Voilà la cathédrale de Beauvais, voilà le chevet, c'est-à-dire l'arrière de la cathédrale. Moi, j'aime beaucoup ces contreforts et tout, c'est très beau. Voilà. Donc, l'intérieur de la cathédrale. Alors, il faut que je vous explique quelques petites choses sur la cathédrale. Clic. La cathédrale de Beauvais, en fait, on a commencé à la bâtir au XIIIe siècle. Et là, on n'a bâti que le chœur. Et vous savez, quand on bâtissait une cathédrale, on voulait toujours surpasser ce que les prédécesseurs avaient fait. Alors, quand ils ont commencé Beauvais, ils ont dit, bon, alors là, attention, on va casser la baraque. Hein, on va faire plus haut que les autres ont fait avant. Ils ont fait des voûtes à l'intérieur, 4 mètres plus haut que ce qu'il y avait à Amiens. Voilà, c'est-à-dire que les voûtes, quand vous êtes à l'intérieur du monument, vous regardez à 48 mètres 50 de hauteur. Le petit problème, c'est que c'était probablement trop ambitieux parce que ça s'est effondré. Le truc est tombé, quoi. Bon, alors ils l'ont reconstruit, et bon, en fait, après, plus personne n'a touché à rien. C'est le chien qui aboie. Excusez-moi, plus personne n'a touché à cette cathédrale pendant longtemps. Il a fallu attendre en fait
le début du XVIe siècle, les 30 premières années de ce XVIe siècle, pour que Martin Chambige reprenne la construction. Ils se disent, bon, on ne va pas laisser la cathédrale en l'état, on ne va pas laisser que le chœur. Il faut bâtir le reste. Voilà. Et alors? D'accord. Et alors, il a commencé à bâtir le transept. Le transept, c'est la partie, enfin, en un sens qu'on voit là, de gauche à droite. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est là. Vous voyez, si les cathédrales ont la forme d'une croix, eh bien, le transept, c'est le croisillon, hein, sur le grand axe. Et donc, les constructeurs de ce début du XVIe siècle ont bénéficié des largesses financières de François Ier, le roi qui en même temps bâtissait Chambord, quelques centaines de kilomètres un peu plus au sud. Alors, on dit, tiens, ça c'est intéressant, alors ça, est-ce qu'il y aurait une relation? Là, sur la photo, vous pouvez voir que, vous voyez, c'est... En fait, c'est comme si on voyait du côté de la nef. La nef n'a jamais été construite. Voilà, parce que finalement, bon, ça s'est re-écroulé dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et alors là, ça a dû sembler extrêmement décourageant. On a compris qu'il y avait une limite, que Beauvais, c'était trop ambitieux, que l'art gothique, à un moment donné, il fallait que les prouesses, elles s'arrêtent. Et la nef n'a jamais été construite. Ok, on peut voir donc, alors sur Google Earth, une vue à peu près verticale, hein, de la cathédrale de Beauvais. Donc vous voyez la nef, la partie longiligne, tout en longueur, hein, le vaisseau aurait dû s'étendre à gauche, et en fait il ne s'étend pas, il n'a pas été construit. On peut se rendre, la ligne rouge, c'est... La ligne rouge, c'est la direction de Chambord. Je pars du bout du toit, je vais jusqu'au château de Chambord, le centre du donjon, en fait. Vous voyez que c'est presque dans l'axe, il y a bon, peut-être 2 degrés, à 2 degrés près. Le transept de la cathédrale de Beauvais indique, est pointé vers, et tourné vers, le château de Chambord. Alors, ce qui est étrange, c'est que sur la porte du transept qui fait face à Chambord, vous voyez, une des très belles, des vantaux, c'est ça, des très belles pièces de boiserie, de menuiserie, et donc vous avez des salamandres, vous voyez, salamandres, trois à gauche et trois à droite, les mêmes salamandres qu'il y a à Chambord. Donc elles font face à Chambord, ces salamandres. En voilà une. Donc il y a des salamandres, en fait, du côté du transept qui fait face à Chambord, il y en a aussi de l'autre côté du transept, hein, d'accord? Comme pour... alors ça pourrait indiquer une relation avec Chambord. On pourrait penser qu'à l'époque, les bâtisseurs s'étaient rendus compte, ou savaient, ou ont fait exprès, que le château de Chambord était dans l'alignement du transept de la cathédrale de Beauvais, qui aurait dû être le monstre, le mastodonte architectural gothique, si on avait pu terminer la construction. Voilà. Alors maintenant, un truc qui, vous voyez, qui est quand même très surprenant, on arrive à Chambord, la ligne, bon, je la réceptionne du transept en question, on va jusqu'au centre du donjon. C'est étrange parce qu'on traverse, vous voyez, le donjon de Chambord, pratiquement sur la diagonale nord-sud. Pas tout à fait, bon, pas tout à fait, ouais, mais presque. La diagonale sur laquelle on a retourné les cantons nord et sud. Cette diagonale si importante pour retourner l'F qui va indiquer Fontainebleau. Voilà. Vous voyez, donc ça semble fait volontairement. Ça pourrait être fait volontairement, ce raccord entre les concepts Beauvais et Chambord. Voilà, pour créer entre les deux monuments un raccord. Et quand il y a un raccord comme ça, bon, je ferai prochainement, un de ces jours, une vidéo sur Beauvais, la cathédrale. Quand c'est comme ça, bon, ensuite ça continue dans le monument. À Beauvais, vous avez des éléments, etc. C'est en fait un grand codage qui est dans chaque monument, pour qui sait le voir, et c'est également sur toute la carte, répartie comme des pièces de puzzle, des balises qui sont là.
Donc maintenant, on va regarder ça attentivement. Vous voyez que... j'espère que mon portrait ne masque pas. D'ailleurs, ça devrait aller, hein. En bas, vous avez le château de Chambord. Bon. Et alors, bon, vous avez cet axe, d'accord, qui monte en diagonale à droite, vers Fontainebleau, d'accord. Bon, le château de Loury, château de Fontainebleau, hein, et la basilique Saint-Remi de Reims. Voilà, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et en fait, François Ier avait complété ce dispositif par son château de Villers-Cotterêts, qu'il a fait bâtir aussi dans la foulée, jusqu'à l'église d'une autre localité, Chambord. Il y a à gauche ici la souris. Alors, bon, on va pas entrer dans les détails parce que c'est un autre sujet, mais il y a ce que j'appelle l'angle royal, Chambord, Reims, Chambord, passant par les châteaux de Fontainebleau et Villers-Cotterêts, tous deux restaurés, réédifiés par François Ier. Alors que Chambord est aussi édifié par ce même roi. Vous voyez, bon, bref, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très important qui peut s'étudier, se prolonger, etc. Vous pouvez voir plusieurs de mes vidéos aussi. Bon, c'est très intéressant. Hein, c'est des découvertes fascinantes, révolutionnaires. Ça a été laissé pour qu'on le retrouve. C'est ce que je fais. Voilà. On ne fera jamais disparaître ça, quoi. Hein, c'est écrit sur la France. C'est le grand message de la France. Hein. Je vous garantis que ça va mener loin. Mais quand, c'est la question, quoi. Là, c'est la question. Voilà. Et donc, vous avez aussi tout à gauche, vous voyez, un autre village sans bord. Donc, sont sur ce dessin, ce plan, les trois seuls Chambords de communes de France, il n'y en a pas d'autres. Ils forment un triangle rectangle de proportion 1 phi, c'est-à-dire 1 racine. Nombre d'or, quoi. Phi, c'est le nombre d'or. 1 phi. Voilà. Et donc, on monte vers la cathédrale de Beauvais, vous voyez, tout au nord, comme ça. Pourquoi je vous montre ça? Ah, mais parce que là, il y a quelque chose à remarquer d'essentiel. Vous allez voir, là, vous voyez rien, vous n'y pensez pas, mais quand je vais passer à l'image suivante, là, vous allez comprendre. Voilà. Vous voyez ici, c'est-à-dire, ne prenez pas ce schéma, quoi, avec trop de précision. Hein. C'est pas la précision qui est importante. C'est pour indiquer que, bon, le donjon de Chambord est en bas, je regarde le quartier nord. En fait, tout ce qui est intéressant, quoi, se situe dans l'angle, dans les 90 degrés du quartier nord. Voilà, vous voyez, c'est marrant. Hein. Aussi bien l'axe, les trois Chambords, quoi, donc bien sûr, Beauvais et Reims. Et donc font Fontainebleau aussi. Voilà. C'est-à-dire que les bâtisseurs, quoi, nous hein, ont retourné les quartiers nord et sud. Alors, il y a une insistance sur le quartier nord, vous allez voir, ça va continuer, il y a une insistance sur le quartier nord, parce que les raccords cartographiques intéressants, ils sont dans ce quartier, dans cet angle, ils sont là. Voilà. D'accord? C'est une. Ça aussi, c'est pas le fruit du hasard. Voilà, c'est assez joli, on y réfléchit. Vous indiquez une diagonale, vous l'indiquez à coup sûr parce que, elle est associée à la restauration de la symétrie, de la logique parfaite du donjon. Vous insistez, on va le voir, sur le quartier nord, et alors justement, tout ce qui est intéressant. En relation cartographique, géométrique avec le château de Chambord, c'est justement devant le quartier nord, au-dessus du quartier nord. Ok. Allez, vous pouvez regarder encore quelques instants. Voilà. Alors maintenant, on va regarder. Là, nous sommes sur la terrasse de Chambord. C'est l'occasion de remarquer. Parce qu'on va en avoir besoin bientôt, il y a vous voyez, des cheminées, des conduits de cheminées, quoi. Là, on en voit ici, ici, vous avez aussi
des tourelles. On peut en voir une ici, là, coincée ici. Hein, on la discerne un peu. Une tourelle qui contient un escalier. Et vous avez aussi, sur les conduits de cheminée, vous avez des niches à statues. Hein. Par exemple, ici à gauche, là, voilà, des niches à statues. D'accord. On peut voir aussi en haut à gauche, à droite. Je vous montre ça parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, vous avez des lucarnes. Hein, des lucarnes qui débouchent, bien sûr. Il faut bien que les gens y voient clair. Des lucarnes qui débouchent vers l'extérieur. Eh bien, on passe à la diapo suivante. Voilà, alors ça c'est une photo de deux amis qui étaient allés à Chambord et qui m'avaient envoyé leurs photos. Bon, je vais sortir du plein écran. C'était Elena et Pierre. Je les remercie pour cette photo. Et je reviens au plein écran. Là, vous pouvez voir une tourelle, vous voyez devant, la tourelle sur la terrasse. Et à droite, vous voyez un conduit de cheminée. Bon, décoré en bas avec deux niches. Donc c'est très intéressant ces niches parce qu'il y en a. Ah, si vous voulez, on peut s'étonner parce qu'il y en a 27 sur la terrasse comme ça. Mais 14 quoi, sont barrés par la pente du toit. Et donc, bon, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu poser de statue, quoi. Vous ne pouvez pas mettre une statue sur une niche comme ça qui est barrée. Enfin bref, bon. Ouais. Je veux dire, c'est plus, oui, c'est plus une décoration. La niche se suffit elle-même. Bon, admettons, oui. Mais ce qui va devenir, vous voyez, il y a aussi, on trouve ça à Chambord. Vous avez trois niches qui sont carrément masquées par un élément de construction qui est devant. Bon, c'est quand même étrange, quoi. Pourquoi passer une niche si devant vous tout de suite vous rendez le truc invisible? Bon, eh bien, il n'y a que du côté nord, que c'est comme ça. Vous avez trois niches qui sont comme ça, bloquées, barrées visuellement, dans le quartier nord, pas dans les trois autres. Voilà, ici nous avons. Bon, ce qui est en couleur, c'est moi qui l'ai tracé. Mais. Le plan d'origine, c'est pas moi qui l'ai ni relevé ni tracé. C'est dans un livre que j'avais acheté de Monique Châtenay, hein, Chambord. Voilà, c'est un ouvrage d'architecture, enfin de commentaire architectural sur le château de Chambord. C'est bien fait, c'est intéressant, quoi. Évidemment, ça ne parle pas de ce dont je vous parle, on est d'accord. Donc au passage, ce plan que je vais vous montrer a été pour moi très intéressant. Bon, je vais en profiter pour vous montrer aussi. Un livre que j'avais sorti il y a quoi, une quinzaine d'années, non, à peu près, qui était le secret de François Ier. Voilà, c'était Ewa Nanki à l'époque qui avait sorti ce livre. Hein, il avait été le seul qui avait voulu le sortir. Il est très difficile de faire publier par un éditeur des révélations sur l'architecture. Hein. Et là, c'est la première fois quoi, que ces découvertes sur Chambord sont mentionnées. C'est dans ce livre. Bon, j'en suis fier. Voilà. Nous avons ici le plan des terrasses du château de Chambord. Voilà, on retrouve l'idée même sur la terrasse de la croix qui est là. Ce sont les espaces de circulation. Et on retrouve nos quartiers dans les quatre directions. Sont encerclés en rouge ici les grands conduits de cheminée. Voilà. Et donc on peut constater qu'il y a une sorte de bande ici, deux lignes vertes, vous voyez, qui inclut quatre cheminées. Donc en haut, vous voyez qu'on passe, on encadre tout à fait. Plus bas, c'est la diagonale. Et on passe sur la pointe. Plus bas encore, on coupe quasiment la cheminée en deux parties égales. Et on passe sur la pointe, l'angle. Et enfin, tout en bas à gauche, la cheminée est encadrée par les deux lignes.
Vous n'avez pas l'équivalent de ces lignes-là de l'autre côté, hein, ou en horizontal ou vertical. Ce sont les deux plus beaux alignements, et comme par hasard, ce sont des parallèles à cette fameuse diagonale nord-sud, donc qui inclut les deux quartiers nord et sud. Ici maintenant, nous avons les tourelles qui sont en rouge. Et donc, pareil, il y a deux lignes qui se dessinent, deux alignements. Vous avez celui d'en haut où on voit trois tourelles alignées. Et celui qui est plus bas, il y a trois tourelles alignées encore. Bon, celle du milieu, il y a un petit écart minime, c'est vrai. Donc ça fait deux lignes qui pointent vers le quartier nord, pour indiquer l'importance au niveau ésotérique de ce quartier. Pareil, il n'y a pas d'autres lignes dans le sens est-ouest, il n'y a pas l'équivalent ailleurs sur le donjon. Et ici maintenant, nous avons les lucarnes. Vous voyez, c'est-à-dire les fenêtres qui sont sur les toits, qui débouchent bien sûr sur l'extérieur. J'ai cerclé en rouge, en fait, là où on se mettrait à la fenêtre, au milieu de la fenêtre, quoi. Et là encore, on peut repérer deux lignes, voilà, qui pointent vers le canton nord, pour indiquer l'importance de ce canton ou quartier. Alors c'est marrant parce que vous avez, vous voyez, celui qui est tout en haut à gauche, c'est-à-dire le quartier ouest. Bon, vous avez cinq lucarnes réparties d'une certaine façon. Ça, vous le retrouvez dans le quartier sud, et vous le retrouvez dans le quartier est. C'est pareil, là c'est pareil. Mais c'est la même chose dans le quartier nord, mais c'est inversé, quoi. La disposition des lucarnes est inversée par rapport aux trois autres quartiers. Voilà, donc il y a des gens, des spécialistes ont noté que, en fait, il y a eu des amendements, les maçons, les architectes de l'époque ont ajusté telle ou telle chose, modifié un petit peu telle partie, voilà. Donc je reconnais ici que je ne. Vous voyez ici le cercle bleu sur le quartier nord, c'est aussi une lucarne, je n'en tiens pas compte. Alors on a noté qu'elle est sur le quartier nord. Vous n'en avez pas l'équivalence le long de la croix. Hein, voilà. Bon, c'est vrai que je n'ai pas tenu compte de deux petites lucarnes qui sont ici, la souris ici, et à droite ici. Hein. Bon, donc ça demanderait d'être un petit peu ajusté un peu plus. Mais vous voyez, c'est toujours intéressant cette façon qu'ils ont d'indiquer le quartier nord. Maintenant, j'emprunte ce schéma à un fichier, un dossier qui est en ligne sur Internet. Vous avez l'adresse écrite. Ça s'appelle Le Château de Chambord, un monument trop peu regardé, hein, de Simon Briand, Patrick Ponceau, Dominique Hofboer et Jean-Sylvain Caillou. Voilà, et c'est intéressant quand même, très intéressant même, parce qu'ils ont. Bon, ils reprennent dans les tours le dessin des latrines en sous-sol qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, on va s'intéresser spécialement aux points noirs, vous voyez, qui sont le long des murs et des tours. Ce sont en fait les gargouilles, dites en chantepleurs. Bon, moi, sur les photos, je ne les vois pas, ces gargouilles en question. Donc, est-ce qu'elles étaient là? Elles n'y sont plus? Est-ce qu'elles auraient dû y être? Je ne sais pas. Mais voilà. Ces gargouilles sur ce schéma sont indiquées par les points noirs. Et vous pouvez remarquer qu'il y en a sur les trois cantons, sauf le canton nord. Sur le canton nord, il n'y a pas de gargouille. C'est une façon encore de le mettre en valeur, de l'isoler, de pointer du doigt discrètement vers ce quartier. Tiens, ce quartier, etc., quelque chose d'exceptionnel. Si vous regardez bien, on met constamment l'accent sur ce quartier-là. Voilà, on a vu tout à l'heure pourquoi. Parce que c'est de ce côté-là, sur ces 90 degrés en angulaire, que se situent les relations cartographiques, voilà, dont on a juste évoqué quelques détails.
Maintenant, alors, je vais vous lire un texte que j'avais écrit. Le carré Sator est un carré magique qui date de l'Antiquité romaine. On en a retrouvé gravé un peu partout, par exemple dans les ruines de Pompéi. Ah tiens, c'est une grille de 5 sur 5, ça ne vous rappelle rien? Toujours est-il que des mots sont écrits sur le carré. Il s'agit d'un palindrome qui peut se lire à l'endroit et à l'envers. Voilà. Alors, Sator arepo tenet opera rotas. Mais je vous montre ici la version inversée. Rotas, opera, etc. On peut traduire par le semeur ou le laboureur conduit avec soin l'œuvre ou le travail de ses roues. Les bâtisseurs de Chambord ont semé des messages, il est temps de les récolter. Parce que, on va le voir, les concepteurs ont tenu compte du carré Sator dans leur codification. Voilà. Donc, la grille de Chambord découpée en 25 cases. Tiens, je me dis, tiens, on peut distribuer dessus le carré Rotas ou Sator. C'est intéressant dans sa version Rotas, parce que à l'époque romaine, c'est la forme inversée, Rotas opera, qui était connue. Voilà, jetons un coup d'œil à la fameuse diagonale de retournement. Ah ben, elle contient, vous voyez, les lettres SRNRS, ce sont les consonnes, les lettres consonnes du mot Reims. Dans une orthographe médiévale de la ville de Reims, R-E-I-N-S. Donc là, c'est quand même stupéfiant, vous voyez. Parce que même les concepteurs de Chambord s'y tiennent compte, quoi, de se réfèrent à ce fameux carré connu déjà dans l'Antiquité romaine, sous cette forme-là. Et comme par magie, quoi, on se demande comment ils ont fait, mais on retrouve les lettres de Reims sur cette fameuse diagonale dont on parle depuis le début de cette vidéo. D'accord? Donc le donjon de Chambord, en fait, se prête à des tas de références, quoi, et de constats, et d'extrapolations. Voilà, toujours là pour indiquer Reims, toujours la même chose. Hein. Ici maintenant, on peut voir voilà, que c'est le même carré. Hein. Eh bien, dans les coins, vous avez RS deux fois. Symétrie, quoi. Ce sont les premières et dernières lettres de la ville de Reims. Alors qu'il y avait cet alignement sur la carte, hein, Chambord-Fontainebleau, Reims, la basilique Saint-Remi. Et au centre, c'est la lettre N. Voilà. D'accord? C'est quand même stupéfiant, quoi. Il y a quelque chose de bizarre, tout de même. C'est tout de même interpellant. Hein. On peut vraiment penser, je pense vraiment que les concepteurs, les architectes du château de Chambord ont tenu compte de beaucoup de choses pour bâtir Chambord, pour en faire le plan, de façon à ce que ça contienne un maximum de codage, un maximum de références possibles et d'extrapolation. À un moment donné, c'est quand même difficile de dire ouais, c'est tiré par les cheveux, ça ne signifie rien, il n'y a rien, c'est juste une vue de l'esprit. C'est quand même très 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 difficile, et le dossier est très fort. Je trouve. Voilà. Et donc ici, vous avez la forme, voilà, le carré Sator, ouais. Gravé. Je vais sortir du... Voilà, ce carré, en fait, est à Opède, dans le Luberon. Hein. C'est une photo, voilà. C'est intéressant parce que dans certains carrés, comme on le voit ici, la lettre centrale N est inversée. Vous voyez, elle est gravée à l'envers. C'est rigolo, non? Parce que tout à l'heure, on a vu à cet emplacement-là dans le château de Chambord que tous les F du plafond du grand escalier étaient à l'envers. Voilà, la lettre N au centre du carré est à l'envers. C'est marrant, hein, c'est marrant, marrant. On repart maintenant pour parler brièvement du carré de Polybe.
Polybe est un homme d'État, un historien grec, à peu près de 150 avant, 150 ans avant Jésus-Christ. Il est l'auteur d'un, enfin en tout cas il a évoqué, peut-être que ça existait avant lui, d'un système de codage de chiffrement par substitution. Vous voyez, c'est-à-dire on repart du carré de 5 sur 5. C'est pour ça que je vous en parle, parce que c'est le carré de Chambord qui sert de structure au donjon de Chambord. Et donc on peut voir que le principe du codage, hein, du chiffrement en question, c'est que vous remplacez chaque lettre. Donc c'est-à-dire que l'alphabet est distribué sur le carré, on l'a déjà vu ça. Mais Polybe, il a dit, tiens, on va prendre les deux coordonnées, hein, l'abscisse et l'ordonnée, et chaque case va porter les deux coordonnées. Par exemple, ici, c'est la première, vous voyez la souris, c'est la première, comment on appelle, la première ligne, et donc la première colonne, ça fait 1, 1. Après, c'est la première ligne, mais la deuxième colonne, ça fait 1, 2. Bon, si je redémarre beaucoup plus bas au niveau du 4, 1, 2, 3, 4, c'est la quatrième ligne, et par exemple la deuxième colonne, donc 42, 4, 2. D'accord? Donc ce système est excellent parce qu'il permet de remplacer chaque lettre par un nombre. Donc si vous voulez faire un courrier à quelqu'un, et si on l'intercepte, la personne ne comprendra pas, eh bien voilà, vous remplacez chaque lettre par le nombre qui lui correspond. Alors, bon, aujourd'hui, on sait que c'est assez, ce code est assez facile à détecter, à craquer. On a fait beaucoup plus compliqué depuis. Mais voilà, donc c'est associé au donjon de Chambord. Alors, où est-ce que ça va nous mener, cette histoire? Eh bien, ça va nous mener ici. Vous voyez, on reprend le donjon de Chambord, les tours, chaque quartier. Et je vois là. Les nombres qui sont distribués sur la croix, sur les salles et le grand escalier. Donc pour que vous compreniez bien, par exemple, si je prends la salle d'en haut, au-dessus de l'escalier ici, vous voyez, c'est 36. Regardez la souris ici, parce que c'est 13 plus 23, 36. Ok, voilà. Et à ce moment-là, bon, celle-ci fait 63, l'autre 69. Et la dernière, 96. Alors là, c'est complètement quand même stupéfiant, quoi, surprenant, que 63, si vous inversez les deux chiffres, ça fait 36. 96, si vous inversez les deux chiffres, ça fait 69. Donc, vous retrouvez l'idée, premièrement, de la diagonale nord-sud, et là, ce sont deux parallèles, et deuxièmement, l'idée d'un retournement. C'est quand même incroyable. Vous avez le retournement associé à la diagonale nord-sud. Voilà. Il y a aussi une égalité, hein. Si vous faites la somme des quatre salles divisée par l'escalier, vous obtenez 8. Ceux qui suivent mon travail savent que le 8 est très important à Chambord pour différentes raisons. Il y a du 8 distribué comme ça au plafond. Il y a un cryptogramme en 8 au-dessus des toits. François Ier portait le 8 sur son pourpoint. Voilà, et comme par hasard, vous avez cette égalité, hein, qui tombe du ciel. Donc, si vous voulez, on comprend là que, d'accord, les gens qui ont bâti Chambord, bon, ils ont calculé le plan au départ, évidemment, ils ont travaillé à ça, ils ont travaillé à un chiffrage. Voilà, il y a cette référence extraordinaire. Là, quoi, ça c'est quand même, c'est fou, quoi. Ça, c'est pas possible que ce soit le fruit du hasard. Hein. Là, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument nous indiquer la diagonale parce qu'elle est importante. Hein. Je répète un peu pour être sûr que tout le monde ait compris. Parce qu'au départ, ce genre de truc n'est pas forcément simple. D'accord, cette diagonale est indiquée par les concepteurs du château de plein de manières différentes. La diagonale nord-sud, parce que ça permet d'écrire le mot Reims sur le carré,
parce que ça permet de faire retourner l'F à l'envers pour indiquer Fontainebleau, parce que tous les raccords cartographiques y sont au nord du château. Voilà. D'accord, ce sont tout ça, ce sont des, c'est un puzzle, quoi. C'est, les éléments sont donnés comme ça lorsqu'on les cherche. Voilà. Je ne crois donc pas que je fais flèche de tout bois. On pourrait me dire, ouais, mais toi, tu trouves ce que tu veux chercher, donc tu étudierais n'importe quoi, de toute façon, tu trouverais quelque chose. Alors là, je ne suis pas d'accord. Hein. Je suis vraiment pas d'accord. En fait, je trouve parce que le codage est là, et parce que le château se prête tout à fait à ce codage et le contient. Hein. Ok, mais vous pouvez en penser bien sûr ce que vous voulez. Moi, je vous propose la chose. Voilà. Et si on continue sur ce... C'est la même chose, vous voyez, j'ai écrit en rouge les valeurs des cases de la croix, les salles dites cruciformes. Et à ce moment-là, tiens, je me dis, tiens, je vais essayer qu'est-ce que ça donne sur la diagonale en bleu. Ben, je constate que c'est le total des nombres en rouge divisé par le total des nombres en bleu, c'est égal à 1,6. 1,6, c'est le nombre d'or, hein, 1,618. Vous voyez? C'est marrant, quoi. Tout est, c'est très beau, quoi. Voilà, encore un truc de fou, quoi, si vous voulez, parce que là, vous voyez, je considère bon, les quartiers nord et sud. Donc, avec le système de Pauli, ben, des coordonnées, à chaque case correspond à un nombre. Donc ici, 14, 15, 24, 25. Mais au sud, ce sont les mêmes nombres à l'envers. Vous voyez, le 14 est devenu 41. Le 42 est en symétrie avec le 24. C'est la même chose à l'envers. D'accord? Le 51 répond au 15 et le 52 fait pendant au 25. Donc c'est encore le même concept qui est présent subliminalement dans ce château, quoi. À savoir que les nombres se répondent sur l'axe nord-sud. Ce sont des parallèles ou carrément sur l'axe nord-sud. Et l'idée d'inversion. On retourne, on inverse, on a retourné les quartiers. Maintenant, ce sont les nombres qui se retournent. Voilà, j'espère que vous appréciez la beauté de tout ça. C'est merveilleux, quoi. Voilà. C'est-à-dire que les... Enfin, Les concepteurs du château de Chambord ont mis le paquet, quoi, pour qu'on puisse arriver à comprendre leur message. Ils n'ont pas mis quelques petits éléments, enfin, discrets comme ça. Non, ils voulaient qu'on soit tout à fait sûr, hein, que ce codage existe. Donc, ils ont multiplié les éléments, hein, ils ont multiplié les indices pour que quelqu'un qui étudie vraiment la chose le retrouve à coup sûr. Voilà. Alors, on est... Voilà, c'est... Bah écoutez, on arrive à la fin de ce diaporama. J'espère donc que ça vous a intéressé. Voyez, photo de château de Chambord. Ok. Bon, la conclusion, je l'ai donnée au fur et à mesure. Je ne vois pas quoi ajouter. Voilà, vous voyez à quel point l'architecture peut être perçue d'une façon très différente de ce qui est dit à la télé ou dans les magazines. On peut vraiment aller dans une direction carrément différente. C'est la prochaine étape. L'évolution va aller vers ça, hein, vers la façon dont je vois les choses et dont je vous le propose. Si vous n'y croyez pas, c'est pas bien grave, hein, bon, vous croyez ce que vous voulez. Et voilà, mais moi je vois bien la réalité de la chose, quoi. Tout ça. Un jour, Chambord sera associé à ces découvertes-là, j'en suis convaincu. En espérant que dans le futur, personne ne me vole les découvertes pour les reprendre à son compte. Ce serait pas cool. Voilà, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous voulez, surtout, de liker cette vidéo si elle vous a plu. Hein, c'est une aide pour son référencement, pour sa visibilité. Voilà, parce qu'en fait,
bon, etc. Hein, je ne suis pas mis en avant tant que ça par notre chère plateforme de vidéo. Bon, mes découvertes peuvent aussi, c'est sûr, me déranger. Hein. Je compte sur vous. Et si vous pouvez, si vous voulez, les partager à droite à gauche, je vous remercie d'avance. Voilà, la culture française vous remercie. Eh bien, voilà, je crois que je vais vous dire au revoir. Alors, on vous souhaite une bonne continuation et en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo. Ce sera sur le monument des droits de l'homme. Un très beau dossier. Au revoir! À bientôt!